Nous nous mettons debout. On va nous lire 2 Rois chapitre 9. 2 Rois 9. Verset 35. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils le trouvèrent d'elle qui est le crâne, les pieds et les paumes des mains. Amen. Nous acclamons très fort pour ce découvert. Zambé Tata. Oh,
Papa,
Le thème de ce matin s'intitule Les appétences sans compétences. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le voir? S'il y a quelqu'un qui est content, il peut se mettre debout et acclamer très fort. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'envie. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous pouvons tout dire. Toki kolobanyoso. Mais la grande arme. Kasimondo ki moné. Contre le diable. Oui, côté le diable. C'est la sanctification. Les années de vos saints. Tu peux jeûner. Oui, kokila. Tu peux prier. Toki kobonde. Mais si tu n'es pas saint, car c'est ce que vous avez au sein de tout. La Bible dit, bien lobby, que nous savons donc, tu es biboïte, que Dieu est un homme, n'exauce pas les péchés. Aïe, nous la cabassou m'ont quitté. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous parler de ce type de péché que personne ne peut voir. L'appétence, l'envie. Il y a des gens qui gênent. Il y a des gens qui prient. Non pas parce qu'ils cherchent à voir la main de Dieu s'accomplir dans leur vie. Mais ils prient parce qu'ils se comparent à quelqu'un d'autre. C'est ça le malheur de l'Église. Moi j'ai toujours dit aux gens que moi dans ma vie je fais ma propre course. Je ne me compare à personne. Tu sais, le problème n'est problème que lorsque tu en fais un problème. Alléluia. Amen. Les soucis tuent. Vous pouvez avoir des ambitions dans la vie, c'est normal. Mais que ça ne soit pas par envie. Et ça, c'est le domaine de nos sœurs. Ils aiment toujours comparer leur mari à d'autres personnes. Il y a un homme à moi, c'est à Guilain. Toi, tu ne vois pas la femme de Guilain? Dans la vie, il faut savoir se contenter de ce que Dieu t'a donné tout en te battant pour avoir plus afin que la gloire remonte à Dieu. Ne cherche jamais à envier les autres. Tu finiras par voler. Tu finiras par tuer. Vous savez, les gens qui prient aujourd'hui, ils ont mystifié les affaires de Dieu. Moi, je l'ai toujours dit. Nous, moi, je suis l'enfant d'un évêque protestant. On n'a jamais chassé les démons dans notre maison. Et Dieu nous a protégés. Parce que nous, quand on partait à l'église, on nous parlait de moins en moins du diable. On nous parlait de la crainte de Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui dans les cours de musique, à l'école maternelle. Vous trouvez les profs qui enseignent aux enfants les chansons de Kibindangoye. Motangi Sazali Kotangi Kibindangoye. Mais c'est quoi? Mais nous, quand on était à l'école maternelle, écoutez nos chansons. Ne volez pas, vous serez dans la prison. Ne volez pas, vous serez dans la prison. Volez. Bah, politien, c'est très mauvais. Donc, déjà, quand on grandissait, nous, on ne savait pas qu'un chrétien peut voler. Maintenant, même dans nos églises, nous avons des diacres qui volent. C'est très grave. Quand on priait sur Kangamotem, il connaît. Les diacres là habitaient seulement quelque part. Mais quand il comptait l'argent, lui-même, avant de faire rapport au pasteur, il prenait déjà son transport. Et c'était des hommes et des femmes. Vous savez, lorsqu'une femme vole, c'est une sorcière. Je ne blague pas. Je suis arrivé na komi na Arabie Saoudite lundi à 2h du matin. Je suis arrivé na kota hotel na moni abimi. Na lobi sauté au nom de Jésus. Sauté. On a komi matin. Lobi mito lundi na nyao. On a lundi na ngai na sutu ka boy. Lobi oh ya lundi ngai tao. Que ça soit la dernière fois, monsieur. Ezalambala souka.
Alors, mes chers frères, Bandeko. Et la maman diaconesse, maman elle est diacre habitée derrière Rome. Donc leur transport, c'était la moitié des dîmes et des offrandes. Un jour, on les a attrapés. Et je vous dis qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en vie. Donc, le christianisme, ce n'est pas vraiment l'apocalypse. Alléluia. Amen. Le christianisme, Christo, c'est le comportement. Donc, vous n'allez pas mettre tout le monde d'accord. Yo kondimi sabatonyo sauté. Je vous, quand vous priez, tango zali kobonde, ne cherchez pas à mettre tout le monde d'accord. Vous voyez ce que vous critiquez là. Bandima, ce sont des francs-maçons. Bomoni ba zali kotonga, zali batoki, si même si tu fais comment, ils ne seront pas d'accord avec toi. C'est pourquoi moi, si tu blagues avec moi, je te frappe, toro toro. Donc quand tu pries, ne faut pas prier pour que les gens t'acceptent. Vous voyez même tel que je presse. Avant de dire qu'il y a un pasteur qui pense bien comme ça. Les gens dans autres. Acclamons très fort. Mes chers frères et sœurs, quand tu pries, c'est pour toi-même. La seule relation que tu dois entretenir, c'est ta relation avec Dieu. Les autres relations ici, il faut oublier ça. Les jours où Dieu va t'imposer, tous ces gens-là viendront te chercher. Avant que je ne continue, laisse que tel que je parle maintenant, que le travail, que l'argent, que les biens, que cherche au nom du Seigneur. Et vous ne répondez pas bien. Si vous ne faites pas comme ça, je vais vous faire sortir. Lorsqu'on prie, ce n'est pas pour convaincre les gens. Ma sœur, quand tu pries, marche dans la droiture. Tambola alima. Tu n'obéiras qu'à Dieu seul. Pas aux hommes. L'apôtre Pierre avait dit, jugez-en vous-même. Quand tu pries, demande seulement à Dieu de te faire grâce de marcher dans la crainte de son nom. La vie est éphémère. Tu peux chercher à tout avoir dans ce monde. Tu vas rater la vie éternelle. Mobile nayo, na salaire nayo ya $1,000. Ton mari et son salaire de $1,000. Battez-vous avec les 1,000. Tu n'as pas vu le mari ya Mimi. De Mimi. Moi, quand tu me dis cela, je vais te déposer là-bas. C'est pareil pour les hommes. Ne compare pas ta femme à une autre femme. Alléluia. Amen. Mais dans tout le monde, maman, pasteur, le coup là, on a travaillé comme une moutée chauffe à gagner. Comme je travaille trop, la tête me chauffe. Théâtre, moi, bah, sud-africain. J'aime le théâtre du sud-africain. Qu'est-ce que théâtre, wana? Non. N'engagez pas sur ma copine, nanaï. N'abengue, viens, tu vas voir ma copine. Viens, Yakotal. Et me regarde, dis que tu n'as jamais la moutée copine à TV. Oui. Dans le Seigneur, dans ta vie, ne te compare à personne, mais fais tout pour être le premier. Aujourd'hui, regardez comment dans nos églises, au lieu de prêcher Jésus, nous commençons à prêcher contre d'autres églises. Mais c'est grave. Tout ça, c'est parce que les gens se disputent des donateurs. Non, les grands donateurs, petit frère, c'est Jésus. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Je n'ai pas encore pris la décision.
Je prie. On va commencer à fermer cette église dès que le culte commence. Mais je n'ai pas encore pris la décision parce que l'église c'est la maison de Dieu. Demandez à Joël. Demandez à l'ancien Pichot. Il y a des moments où c'est ton chef. Ils sont témoins. Il y a des moments où on m'invite dans des églises. Les cultes commencent à 7h. L'église est déjà pleine. La Bible dit ceci. Si vous êtes fidèles dans des petites choses, Dieu vous donnera des grands. Vous trompez les gens. Les gens qui se lavent. Les lundis, quand vos enfants partent à l'école, les gens ne réveillent pas. À cause de Jésus. Tu peux venir même au Sokolité. Même si tu ne t'es pas encore lavé. Dieu va te donner une parcelle. Amen. Tu ne blanchis jamais. Je ne t'interdis pas de te laver. Mais je te dis que dans la vie d'un homme sérieux, Dieu prend la première place. Amen. Moi, les gens me trouvent anormal. Une autorité peut m'inviter. Mais lorsque c'est l'heure du culte, j'ai dit au protocole que moi je suis pasteur. Et le protocole me dit ah. Alobi je lui dis la grande occasion c'est celle de rencontrer Dieu. Et ils disent qu'il est indifférent. Balobi makambo yazali kotela ngo pendant la moto ya te. Dieu d'abord. Nzambe liboso. Alléluia. Amen. La Bible dit que recherchez premièrement le royaume des cieux. Vous ne savez pas d'où nous venons avec cette affaire de Dieu. Nous avons fait toutes sortes de sacrifices, ils sont témoins. Nous étions dans une église où on faisait le tour de toutes nos communautés. Il y en a qui partaient à pied. Et aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un, un dimanche, jusqu'à 8h, il fait comme ça dans son lieu. 8h, c'est quoi? Ils sont témoins. Donc vous arrivez à cette heure-là, l'église est déjà pleine. Parmi vous ici, si le président de la République vous appelle, il vous fixe l'air. Tel que je vous connais, vous risquez même de dormir à la commune de Ngaliem. Alléluia. Amen, amen. Mais celui qui nous a appelés ici, il n'est pas roi. Il est le roi des rois. Il a le cœur des rois entre ses mains comme un courant d'eau. C'est celui-là. Vous allez voir quelqu'un qui vient. Que la prédication n'a pas encore commencé. Je vais entrer quand je vais débuter. On ne joue pas avec Dieu. Wabangala ne ba Congo,
Bien aimé,
Il n'y a pas un autre Dieu. Nzambe mosu soazalite. Il n'y a pas un autre créateur. Mokeli mosu soazalite. Il peut y avoir plusieurs églises. Plusieurs pays. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce Dieu-là que je vous présente. C'est lui qui va vous bénir. C'est lui qui va vous guérir. C'est lui qui va vous donner la vie éternelle. Amen. L'envie. Olula. Toi, pendant que les autres se sont mariés, tu veux aussi t'épouse. Tu vas te marier. Tango, 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 maman Ida. Tango, 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 pasteur Godé. Eko kilelo yo ma piti ma kofi ma mite. Tango, tango yo, tango, tango yo, tango, tango yo, tango. Papa ko bangate, ezali kamba tango, ezali. Tango, tango, eko kilelo, tango, eko kilelo, eko kilelo, eko kilelo, eko kilelo, eko kilelo, eko kilelo. Arrive. Ta voiture. Arrive. Ton pouvoir. Arrive. Ton avoir. Arrive. Ton savoir. Arrive. À cause de l'envie. Vous allez voir quelqu'un d'autre. Il est licencié, mais en réalité, c'est un imbécile. Il n'est pas intelligent. Il prétend qu'il est licencié pendant qu'il n'est pas intelligent. Quand tu étudies, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour te comparer aux gens. Alléluia. Amen. Sauf si quelqu'un t'attaque. Ce qui m'autabondit sur. Monsieur l'abbé, il remet à sa place. Singeli Kozungi Senesikanaye. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, quand tu t'habilles, quand tu manges, ce n'est pas pour les autres. C'est pour toi. Ne cherche pas parce que tu veux dépasser tel. Fais-le parce que c'est ton plaisir. Mais il y a un homme qu'on appelait Akab. Akab, c'est qui? Akab, écoutez déjà le nom d'Akab. Akab. Akab veut dire Akab le frère du père. Vous voyez déjà que l'esprit de l'impolitesse était dans le nom de ce monsieur. Nous tous nous sommes les enfants du père, mais Akab lui était déjà le frère du père. Je vous l'ai dit. Nathalie Sibino. Dieu n'a pas de frère. Dieu n'a que d'enfants. Même Jésus, il n'est pas frère de Dieu. Il est fils aîné. Il y a toujours un écart entre le fils et le père. C'est pourquoi, papa, quand tu as un enfant, pendant que tu es en train de l'envoyer, tu le vois bouder, il ne faut même pas prier. Demain à 5 heures, avec l'enfant et sa mère, il faut les amener à l'Inerbe. Tu cherches même l'intervention de la police. Si ne se réveille pas rapidement, il faut chercher l'intervention de la police. Parce que même si tu cries de quelle manière sur lui, c'est lui-même qui explique aux autres que mon papa est toujours comme ça. Vous allez voir, ça va passer. Ça va passer. Et que les cabougoumons, mais au moins, nous avons dit. Mais tu vois un enfant d'après la constitution qui commence à bouder. Maman va vouloir une constitution. Donc un enfant comme ça, papa, moi, là, ne dérangez pas les démons. 4h30, 5h. 4h30. Et lui et sa mère. Et puis il ne faut pas les réveiller calmement. Si le train allait, tu fais intervenir la police. Ceux qui va oumeli ici va pouvoir soubayer. C'est pourquoi même ce que vous avez dit, il faut si tu es en train de mettre les enfants au monde, il faut qu'ils te laissent ça. Les enfants ne se ressemblent qu'aux Libanais seulement, pas toi-même. Il vient à l'église, j'ai béni le Seigneur. Une église, il y a une pambole incolo. Ma famille n'a plus son monde là, ça l'a gâté. Dans notre famille, on n'a pas un blanc. Mais Dieu m'a fait grâce. Mais tout le monde est là, c'est vrai, c'est mon thé. Mawa.
est un blanc. Nous sommes les noirs, nos enfants. C'est pour un agent de la MONUSCO. Des nez pointus. Acclamons très fort pour les rois de l'homme. Acab, il s'était déclaré frère. Donc vous voyez quelqu'un, quand il commence déjà à appeler son père frère. C'est comme dans des églises de païens, les gens appellent les pasteurs frères. Naba pagano. Napo yo benan na frère. Ndabe za frère na yo. Ba bengi mo batiri pati na bango nde. Napo ya yo. Je suis votre père ici. Moi je suis votre père. Répondez tous oui papa. Oui papa. Talango ya répondre tabi maye mo kodi. Regarde celui qui n'a pas bien entendu. Acclamons très fort pour le roi. Je vais dire ma poko makasi pour nkomo. Donc lorsque tu maman boza papa ya mea oza la kande ngwana ba omesala. Acclamons très fort pour le roi de rois. Donc quand tu vois quelqu'un qui fait se faire frère de Dieu, c'est à ce moment-là que mon pasteur, anniversaire à Banabas Église, téléphone le col à cadeau à la gâte. Les anniversaires. Et ça dit sous-vêtement, on a soutien à la numéro. Combien yo ça pasteur. Pourquoi tu penses qu'à ça? Tu ne peux pas acheter à cette vie un téléphone. Yo eko somba. Tolotoloté. Bande de pêcheurs. Acab. Il croyait que comme il était roi, il était devenu le frère. Or, c'est Dieu qui avait fait de lui roi. Acab va violer la parole de Dieu. Acab. Il va épouser une phénicienne. À la personne de Jézabel. Pourquoi Abalabie? Parce que c'est la moine du roi. Parce que c'était une fille du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as aimé ta femme? Tu as aimé la femme? Ou bien tu as aimé son père? To lingine tata. Parce que tata na yete na moisi. Parce que tu vas rester avec l'épouse, pas avec son papa. Alléluia. Amen. Donc Acab, il pensait que en épousant la fille de notre roi, ça allait consolider son pouvoir. Non, celui qui consolide le pouvoir, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ sunkumu na Galilée. En ce qui concerne l'amour, si tu épouses la fille d'un riche, elle a des bonnes habitudes, il faut l'épouser. Si tu trouves la fille d'un pauvre qui a des bonnes habitudes, il faut l'épouser. Le trône, c'est Dieu qui l'a fermé. Avant que je ne continue, juste que Dieu puisse raffermir les trônes de tout un chacun dans cette église, que tout ce que tu fais puisse aller de l'avant. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, quand il amène cette femme chez elle, la femme va lui demander de faire l'alliance avec son Dieu. C'est ainsi que vous allez voir que de tous les rois d'Israël, il y a au moins 6 chapitres qui parlent. Chapitre dans le livre des rois. Pourquoi? Parce que sa vie a été très mouvementée. Quand il va nouer l'alliance avec Baal, les prophètes vont se liguer contre lui. Alléluia. Amen. Les vrais prophètes de Dieu, ce ne sont pas ceux qui se courent la tête. J'ai vu, on est en train de te combattre. Même Dieu, on le combat. Je te donne un conseil. Que tu puisses avoir la prophétie pour que tu ne puisses pas l'avoir. Si tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, tu es en train de craindre Dieu.
aucune mauvaise chose. À ta prophétie, Dieu te demande de beaucoup prier. C'est pourquoi la Bible dit que prier sans cesse. Et si Dieu a mis les prophètes au milieu de nous, c'est pour nous réveiller. Quand il y a des problèmes, cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Il sait que si tu n'as pas de problème, tu vas l'abandonner. C'est pourquoi il te secoue. Il finira par te donner la paix. Recevez la paix au nom du Seigneur Jésus. Alors c'est cette femme qui va commencer à faire tuer tous les prophètes. Le problème que nous avons avec des gens dans ce pays, vous ne verrez personne qui va vous amener quelque chose de concret. C'est toujours, il nous a insultés que nous sommes des voleurs. Est-ce que j'ai menti? Si quelqu'un te dit que tu es voleur, il t'a insulté. C'est comme tu dis à quelqu'un tu es clair. Le pasteur JP est clair. Moi je suis noir. Tu vas la vie. Quand je dis que tu es voleur, si tu ne veux pas que je puisse t'appeler voleur. Il y a quelqu'un qui... tu ne pries pas avec nous. Alors, comme il a quitté Dieu, quand tu vois quelqu'un tomber dans l'envie, c'est qu'il a quitté Dieu. Yo, pourquoi il s'est rabattu dans l'église? Dieu, permet que ce soit comme le pasteur Jupé. Je sais pas, bongo carreau. Mais sur le carreau ici. Mouton tout est mouton. Amen, amen. Amen, amen. Beaucoup était au nom de Jésus. Ne tombez pas au nom de Jésus. Mais soyez sauvés au nom de Jésus. Mais vous tombez, vous ne changez même pas. Moi, je regarde ce que... Mais la personne ne change pas. Bien aimé dans le Seigneur. Balinga mina kati nankolo. Quelqu'un abandonne Dieu, il tombe dans des comparaisons. Elle te dit, tu n'as pas vu cette maman-là. Elle s'est habillée. Dieu fait chaque chose à son temps. C'est le pire des péchés. Et le nom a dit ce que le pasteur a dit. Aujourd'hui, je ne sais pas comment le pasteur va s'habiller. Pourquoi moi aussi je m'habille? Maman Mongala, a vendu une parcelle de la famille pendant que les gens ne le savaient pas. Amen, amen. Amen.
Oh, les lois numéro 1 à gauche, bien vous à droite. Nous sommes numéro 1 à 4. Oui. Commerce est non, 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 commerce à boité. Moutonke, tu vas. Aso, aïe, non, la tête, à ben qu'on poste na. Na, ni, 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 Alléluia. Boutique na yemoko amiko tinyongo nane ko futa muninga papa lukele musamu susu tala asunga yo abande ko zelo ba maso na chantier po so ko tindi voyage ata somba mitunga ako somba kabila ma vous faites des bêtises à mon nom so ko yo so bila ba bele bele o moli mo papa na biso sa lomba su ko mo tawo acclamons très fort pour le c'est l'envie qui pousse les gens à porter des faux Versace. Balata Versace à l'okuta. Je vous l'ai dit. Lorsque vous utilisez les biens piratés, vous participez au vol. En droit des investissements, il y a ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle. Ce qui m'a sali marque, c'est sa propriété. Si tu veux utiliser ça, tu dois acheter la licence. Et c'est, Bible le dit, manger de tout ce qui se vend au marché. Mensonge. Chemise à Versailles, il y a 100 dollars à la gâte. Je vais garder 1600 000 colons. 200 dollars. Tant que ça coûte 20 dollars, il faut y aller. Oh, y a un je vous dis des choses. Je sais que vous dites que Mathieu est bébé, mais Mathieu est bon. L'envie. Kolula. C'est quoi le jour à la Tango? Le jour. À tout près, ça va être venu de numéro 1 à 137. Il va saluer tous ceux qui habitent sur son arbre. Maman Mimi, j'étais venu pour te saluer. Donc, nous sommes capables de m'assalamer sous son endroit. Nous sommes capables de m'assalamer sous son endroit. Qui t'a dit que son Ibana va te porter les bras au bonga? Qui t'a dit ça? Est-ce que dans le plan de Dieu, il va devenir tes enfants? Il y a le bien qu'au pambo là-bas, non, des napoto. Vous pouvez partir étudier. Vous pouvez partir en vacances. Mais quand Dieu veut te bénir, si tant qu'on il dit que je te bénirai en vie. Et je te bénirai également dans la campagne. Il y a mon exode rural qui s'assied tout de maintenant sur les bâtiments. Vous voyez tout. Les gens veulent venir à Kinshasa pour ces choses ici. On dit, ma pasteur, vous êtes des grands responsables à Makamboy. Tous ceux qui sont venus. Ils disent que Dieu vous bénisse pour que vous soyez à Kinshasa. Toi, tu es en train de venir à Kinshasa. Tu as une maison ici. Et maintenant, ceux qui sont à Kinshasa. C'est quand Kinshasa. Que Dieu vous bénisse par terre en Europe. C'est pourquoi l'Europe. Moi je vous prêche. Restez ici que Dieu après vous donne des avions. Que Dieu vous donne des avions. Non, ce ne sont pas les démons. Vous avez dit à ceux qui sont au village que Dieu vous bénisse, partez à Kinshasa. Pourquoi tu marches dans l'envie? Pour nous, nous avons dit que 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 nous dit que les femmes de teint clair sont belles plus que alléluia. Celles qui ont un teint noir. Et après, vous les voyez avec des tampons partout. Acclamons très fort pour les rois. Merci beaucoup, Makasi, pour l'encombre.
l'envie. Aujourd'hui, les femmes déforment même leur corps. Qu'est-ce que vous cherchez? Et surtout en Europe, c'est grave. Mingi na poto. Je ne veux pas de son nom. C'est quoi? Contente-toi de ce que tu dis. Mais bats-toi pour que Dieu te bénisse. Avant que toi tu te battes, je demande à mon Dieu de te bénir. Alors, quand tu vois quelqu'un commence à envier son pasteur, il n'est plus avec Dieu. Quelqu'un qui est avec Dieu, quand son pasteur monte, il lui dit, il monte, nous allons monter ensemble. Alléluia. Amen, amen. Et si vous ne le savez pas, ceux qui peuvent bien goûter, Akab avait des résidences. Une résistance officielle à Samarie. Samarie. Mais la résidence des Israël était une résidence secondaire. Ezalaki et fan de l'eau à Mibale. Il arrive là-bas. Akomikuna. Lui qui avait un palais royal. Il pouvait même en acheter ailleurs. Il va dire non. Alobite, Nabot, je dois prendre Nabote, ta vigne. Et c'est ça tous les problèmes. Et langana, les gens ne pouvaient pas comprendre Nabot. Les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi Nabot avait refusé. Mais juste, ne vendent jamais leur parcelle. Les Juifs ne vendent jamais leur pays. Bayuda bateka kamboka na bangote. Alléluia. Amen. Un Juif authentique Moyuda, oh, ne vend jamais la terre. Ateka kamabelete. Qu'on nous lise un peu Lévitique 25, on va évoluer. Lévitique 25. Donc les Juifs authentiques Bayunda Oa Solo ne vendent pas la terre. Bango Bateka Kamabelete. Commence même à partir du 17e, on ne va pas descendre. C'est ainsi que vous allez voir. Lire rapidement, lire. Lévitique 25, à partir du verset 17. Aucun de vous ne trompera son prochain, ni et tu craindras Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez les lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans les pays. Les pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la sixième année. Encore très fort pour les voix. Pourquoi les Juifs ne vendaient pas leur terre? La terre juive, c'est une terre bénie. Belé na bango ezema belo e pambolami. Tel que toi tu es là. Lo lengo zali. Tu es la terre. Ozali ma belé. Mais tu n'es pas comme les autres terres. Ozali lo kama belé mo. Tu es une terre bénie. Ozali ma belo e pambolami. Ne va pas ta conscience. Côté qui ça? Ne te va pas au diable. Comité ka na diabolouté. Ne quitte pas la doctrine. Yo kolongwa ma. Tu n'as pas des intérêts. Pona kozwa ma no sokolo. Nous sommes une terre bénie. Biso te kama belo e pambolami. Vous irez lire à la maison tous les chapitres. Tango boko tanga na ndako. Vous allez voir Dieu dit. Boko mona nzambe ko. Parce que le pays m'appartient. Mboka ezali ya ngai. Tel que vous êtes là. Lolengo zali. Vous êtes une ville. Ozali e kopa. Bâti sur la montagne. Oui, tonga miko na ngomba. Vous appartenez à Dieu. Kasi bozali ya nzambe. Amen. Nabot ne pouvait pas vendre l'héritage. Même devant le roi, il avait refusé. Il avait dit, moi je ne vendrai pas. Et pourtant il était devant le roi. Qu'est-ce qui pousse Akab l'envie? Et quand il rentrait à la maison, il était triste. Pourquoi tu es triste quand les autres sont bénis? Quel est ton problème? Lorsqu'il y a quelqu'un qui vient témoigner, Dieu m'a béni avec un véhicule, toi tu poses la question, c'est quelle marque? Vous voyez? Donc il ne veut pas connaître la marque, mais il n'est pas content.
C'est ainsi qu'aujourd'hui le pasteur, au lieu de prêcher la repentance, il s'attaque aux autres. Non, non, c'est l'envie. Alléluia. Amen, amen. Si les autres sont bénis aujourd'hui, je te dis que le calendrier de bénédiction n'est pas encore arrivé à sa fin. Donc la Bible dit ceci: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc ne regrette pas parce que les autres sont bénis. Le calendrier n'est pas encore arrivé à son terme. Il y a un temps pour toi. Évite d'envier les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est plein de mensonges sur la toile. C'est plein de mensonges dans nos églises. Parce que les gens ont l'envie. Ils veulent être comme les autres. Et c'est ce qui fait que les chrétiens trichent aujourd'hui à l'école. Pourquoi? Et vous allez voir, on est en train de parler d'autre chose. Nous parlons Dakar. Lui, il vient, n'oubliez pas que je suis licencié en droit. Et nous sommes à la faculté de droit ici. Azali côté réception, Azali licencié en droit. Tu as la faculté de droit. L'envie. Kolula. A poussé à Cap. Yangwe Tindika Cap. À ravir les biens d'autrui. Regardez aujourd'hui lorsque les gens sont aux affaires. Quand ils sont en dehors des affaires, ils vous parlent de l'état de droit. Azali ko lebe nous l'antina na mobeko. Il vous parle de la démocratie. Il vous parle de la justice. Mais regardez depuis 1960. Respectez les droits lorsque vous allez vous affaire. Je vois tout. L'évangile doit être prêché à tout le monde. Aujourd'hui, il y a les pasteurs qui touchent à la magie. Pourquoi? Il veut avoir reçu autant de fidèles. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est Dieu qui envoie. Même vous qui êtes venus m'écouter ce matin, c'est Dieu qui vous a envoyé. Attachez-vous à votre Dieu. Ne vous comparez à personne. Il vous élèvera autant que vous voulez. Aujourd'hui, vous pas pied. Mais dans deux mois, vous ne serez plus à pied. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus. Vous allez remplir ce parking. Trop jeune, chacun aura sa maison. Aura ses biens pour la gloire de Dieu. Mais dans une personne. C'est dans cette envie-là que sa femme va se réveiller. Il dit, toi le roi, tu es comme ça. Il faut avoir le courage. Et vous le savez. Moi, je vous ai toujours dit que je ne suis rien, moi. Vous le savez, non? Je vous ai toujours dit que je ne suis rien. Quand je parle avec mes enfants, je leur dis que moi, je ne suis rien. Comme ça, vous avez la paix. Le problème avec vous, c'est que vous voulez que les gens voient qui vous êtes. C'est pourquoi vous avez trop de problèmes. Humiliez-vous. Le Seigneur va vous élever autant que vous. Pour un petit rien. Il faut toujours laisser du temps aux gens qui parlent comme ils veulent. Le vrai correcteur, c'est Dieu. Et quand Dieu veut te réhabiliter, il a tous les moyens pour convaincre même le cœur. Donc il faut éviter ces comportements ostentatoires. Vous arrivez partout. Oh, vous savez, c'est moi, c'est et après, dernièrement, j'étais en train de prêcher dans une réunion de pasteurs. Il y a un pasteur qui disait que lui, son ministère est devenu puissant. Maintenant, il voit le président de la République s'accueillir. Moi aussi, j'ai levé la main. J'ai dit que frère, moi aussi, je le vois chaque jour. Mais à la télé. C'est la même chose. Et il est très ridicule. Que nous voyons qu'est-ce tous. Que ça vient faire? Et il était ridicule. Toi, tu ne le vois pas, tu ne vois pas le président à la télé. C'est la même personne qui est à la télé. C'est ça. Il y a un président d'aujourd'hui que personne ne te fasse plus peur. Très fort pour le. Et d'ailleurs, ce que il faut aller au stade. Est-ce que c'est cela qui a fait avancer l'église? Il y a un descendu l'église qui est dans l'Ibosso. Bien aimé dans le Seigneur, l'envie pousse les gens au péché. C'est ainsi qu'aujourd'hui les gens volent. Parce qu'ils veulent qu'on voit qu'il est aussi quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a plus de ces personnes. Lorsque vous l'engueulez, il vous bénit. Non. Il y a Pambolio.
C'est comme un frère, il disait, non, Yabi, quand la photo m'a osambé, je lui ai posé la question, toi, quand tu ne priais pas, tu étais qui? J'ai dit, nous, depuis que nous grandissons, alors, on connaissait que j'ai grand karatéka. Maître Bébin, maître Moal, pourquoi tu es qui? Maître Bébin, maître Moal, fils Zalinan. Bien aimé dans le Seigneur. L'envi. Kolula. C'est une mauvaise chose. Mais il ne faut pas croire que la personne là qui est faible sera toujours faible pendant toute la vie. Dans la vie, on n'est pas fort tous les jours. C'est lui qui est divinisme. Il finira aussi par devenir fort. Je vous l'ai dit au nom de Jésus. Moi, je deviendrai plus fort dans ce pays. Vous deviendrez aussi plus fort dans ce pays. Amen. Humble. Soyez humble. C'est un comique qui dit ça. Où est l'humilité? Lorsqu'on parle de pasteurs, lorsque on dit que les pasteurs, vous allez voir aujourd'hui dans les ministères, il y a de ces pasteurs là quand on les invite, avant de prêcher, ils envoient des gens prendre les images de ces églises là, pour viennent lui présenter avant qu'ils n'aillent prêcher. S'il n'y a pas de pavé, il ne part pas. Ce sont des fous spirituels. Ce sont des fous spirituels. C'est ça le problème que j'ai avec vous, surtout celle-là. On m'appelle dans les églises, partout. Elle me dit, où est-ce que vous allez? Nous sommes allés dans ces trous-là. Ils n'ont même pas d'instrument. Ils n'ont même pas le courant. C'est ça être homme de Dieu. L'envie fait qu'aujourd'hui il y a des pasteurs qui ont oublié même leur propre père spirituel. J'ai vu un autre me dire ceci. C'est la folie ça. Comment tu peux devenir fils d'un père qui ne te connaît pas? L'envie, parce qu'il veut que quand les gens vont prendre ils auront père. Non, nous ne sommes les enfants de Dieu vivant. Chers frères et sœurs, dans cette envie-là, Jézabel voulait que le monde sache que c'est Akab ou rien. Il va créer quelque chose contre Naboth. Vous savez, les justices de Dieu existent. Naboth qui avait raison. Naboth alongaki. Dieu le laisse mourir. On l'a lapidé. Donc quand on te lapide, ce n'est pas que tu as un problème avec Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce qui intéressait Dieu, ce n'était pas cette vie-là de Naboth. Dieu savait que Naboth ressuscitera les derniers jours. C'est pourquoi Dieu peut te laisser passer par des problèmes dans la vie. La Bible dit qu'il est fait se nommer aux batailles. Les gens que tu as envie là, tu ne connais pas. Ceux qu'ils ont aussi comme problème. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple, ça peut vous choquer, mais excusez-moi. Je me suis retrouvé dans un pays, je ne veux pas citer son nom. Parce que aujourd'hui, avec les médias, ils peuvent me suivre. Quand j'arrive dans cette église-là, il y avait une belle femme. Je ne veux pas entrer dans les détails. Un frère vient me dire, c'est cette femme que moi je devais épouser. Moi, si mais regardez, il est allé épouser l'autre frère. Là. Mais quand je prêche, je termine. La je vois le même couple là que l'on. Lui, il enviait la femme là. Namoni, effectivement, elle était belle. Ndeko, aye. Et le couple vient me voir. Baye. Je vous épargne des détails. Naboy, ko, mais je donne cet exemple. Pour que vous compreniez que contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Nous refusons ce qui vient du diable. De ce que Dieu nous donne. Il faut l'accueillir avec joie. Quand ce frère-là, je termine avec lui. Après le service, le couple vient me voir. Son mari me dit, je sens que tu es un homme de Dieu. Je vais me confier à toi. Je ne sais pas ce que je fais à Dieu. Ma femme ici, ça fait plus de 6 ans qu'elle fait l'écoulement de sang.
Vous trouvez celui-là, il est encore. Est-ce que vous avez bien? Disant qu'on a pris sa femme. C'est pourquoi je te dis, il faut manger avec le pondo en paix. Le, de voler l'argent de l'État et manger la viande tous les jours. Vous l'avez dit? Amen. Reste avec ton mari là. Si tu n'as pas encore beaucoup de moyens. Tu le vois régulièrement. Oh yo, Azali. Que d'avoir un homme riche. Qui pour le voir. Il y a causé la mobile. Ça fait 40 jours de jeûne. Pendant que mon naïe s'engueule qui la micro. Et quand il vient, c'est comme s'il était en transit. Tango, aïe, mais pas une aisa le quoi. Mes enfants, salut, bonjour, papa, ça va. Votre maman est là. Maman Zali. Donc, naïe, mon conseil, 30 minutes où? Dans sa maison, il ne fait que 30 minutes après. Mais ton mari pauvre là. C'est mobile, non, mobile. Aujourd'hui, l'histoire va changer. Les lots, l'histoire. Ton mari malheureux là. Mobile va passer. L'histoire va changer. Je suis prédicateur de Dieu qui a réussi à mettre des. De transformer l'eau en vin. Alléluia. Amen, amen. Donc lui n'a pas besoin de machine. Il est très différent de l'inibra. Quand il veut transformer quelque chose en vin, il n'a pas besoin de machine. Il n'a pas besoin d'ingénieur. Donc lui, il n'a besoin que de sa parole. Et lorsqu'il dit un seul mot, l'eau change. Et ça devient du vin. Lorsque tel que je parle maintenant, là où il y avait maladie, là où il y avait la pauvreté, c'est la prospérité. Hein? Et Dieu fait des choses de manière automatique. Croyez en moi, croyez en Dieu. Nous avons Dieu qui est le maître des horloges et des événements. Je vous dis que nous avons un Dieu qui est le maître des horloges et des événements. Personne dans cette église ne mourra pas. Amen. Si vous ne répondez pas bien, je vais vous chasser. J'ai dit que personne. J'ai dit bien. Dans cette église. Personne. J'ai dit bien. Jean-Pierre vient. My God. Je vous l'ai dit. Nathalie Sibino. N'enviez personne. Nous avons un Dieu. Qui est le maître des horloges et des événements. On avait tué Naboth. On avait pris. Bazouaka. Les jardins. Bazouaka Langa. Dieu me demande de te dire. Que tu feras le plaisir de mon cœur. Dieu m'a demandé de ne plus pleurer quand je te vois. Chaque fois que je te vois, je pense à mon grand frère. Dieu me dit que je ne pleure plus. Parce que toi, tu vas relever le nom de mon grand frère. Quand je parle là, je vois sur ta tête deux écritures. Pouvoir, avoir, savoir, parole du Seigneur. Malobankolo. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga mina kati nankolo. Quand Jézabel a fait tuer Tango Jézabel, il était dans la joie. Il pouvait dire bon bani soussou. Mais Dieu avait déjà dit que Jézabel, que Akab, Akab, leur sang Makila na devait être léché par des. Et singela ki bambwa. C'est pourquoi je voulais vous dire. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse notre vengeance. La Bible dit, la vengeance appartient à l'Éternel. Répétez après moi, Dieu venge-moi. Dieu venge-moi. Répétez encore, Dieu venge-moi. Dieu venge-moi. Ne t'occupe pas de ceux qui ne t'aiment pas. Occupe-toi de ce que tu aimes. De ce que tu aimes. Moi je vous dis, je ne sais pas. Mais je dis, tu es balinga kayo. Pourquoi je suis prêt à faire balinga kayo? Pourquoi je suis prêt à faire balinga kayo? Vivre bien et peu, la pas mon mais tu sais que le lendemain n'a pas le bas. À partir d'aujourd'hui, tu es le seul à nous venger. Notre Dieu nous venge.
Ceux qui combattent les enfants, ceux qui combattent notre église, ceux qui combattent la famille de ton pasteur, que c'est ce qui va faire que Dieu va provoquer la mort. Il va susciter une guerre contre la Syrie. Dans cette guerre-là, il va solliciter l'alliance de Josaphat. Mais quand Josaphat arrive, Josaphat était le roi de Juda. Il faut faire très attention. Il y a une grande différence entre le roi d'Israël et le roi de Juda. Est-ce que vous me comprenez bien? Même si tu es le roi d'Israël, tant que tu ne contrôles pas le Juda, tu n'es pas encore roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Amen, amen. Le roi de Juda, Kumuna Juda avait moins de peuple. Pendant que lui à table avait beaucoup de gens. Mais Josaphat, dans sa minorité là, il avait Dieu. Et il avait l'oreille divine. C'est pourquoi quand Jésus-Christ se prêchait, il disait toujours, on ne comprend pas de la même manière. C'est ainsi que quand Josaphat arrive, il lui dit que, chers collègues, nous sommes tous rois, mais moi je ne veux pas en guerre comme ça. On doit d'abord consulter l'Éternel. Vous savez, un homme de Dieu, il a toujours l'oreille divine. Il fait quand Dieu parle et quand l'homme parle. Directement à Cab, avec ses prophètes à lui, c'est comme au Congo ici, les autorités, on leur passait à eux. Bango va s'en battre les patins. Ils viennent le matin. Bayaka na tongo. Zambalobi na bonde la pona yo. A dit qu'il faut que je prie pour toi. Bazo bundisayo. On est en train de te. Alors ils disent, vous voyez, ce n'est que Gwendo qui est contre. Parce que moi, quand j'arrive sur les autorités, je leur dis que Mikol dit, chef, population, vous savez, vous nous combattez par votre vol. Alléluia. Amen. Bande de voleurs. Maybe. C'est ça. Ce n'est pas parce que ceux qui parlent sont nombreux et qu'ils sont avec Dieu. L'Éternel notre Dieu, il n'est pas dans la majorité. Il n'est pas non plus dans la minorité. Mais le Dieu Tout-Puissant, il est dans sa parole. C'est pourquoi la Bible dit, là ou deux ou trois sont ensemble à mon nom, je serai là. Donc si nous sommes à deux dans la tête de Dieu, il sera avec nous. Je voulais vous dire que même tel que je parle là, il est à tes côtés, mais c'est toi qui ne le vois pas. Quand ces quatre cents pasteurs terminent, Josaphat dit que je ne sens rien. Josaphat a le bien à yo qui est le côté. Pourquoi toute église basa est belé? Vous allez voir une église. Les pasteurs, il y a Moula. Les pasteurs qui sont dans le mal, dans l'impudicité. Moula. Yakao. Ma fille n'a pas bandi mine bango kakao. C'est ma mère. La patrie avance. Hein? C'est pourquoi ils nous ont créé la maladie impox à cause de toucher. Mon Dieu, mes hommes, m'avaient vu passer, la série. Hey! C'est lui dit. Mungo na salaka. Mina mona mambo na fungwa. Ah, mambo na fungwa. Les sœurs aiment ça. Ils disent que ce pasteur là est cool. Moi je ne suis pas cool. Tout ça passera. Nous sommes collés. Le toucher joué. Kosimba. À la hanche. Passera. Yango est collé. Le toucher joué. Kosimba. Sur le biberon. Passera. Nato le collègue. Il y a une seule chose qui ne passera pas. Kasi, ezane lo komo c'est la parole de Dieu. Attache-toi à Jésus. Yo kangama na Yesu. Si tu t'attaches à Jésus. Ce que kangami na Yesu. Tu vivras éternellement. Yo kopika libela. Mais regardez ce qui va arriver. Kasi pota le kokoma. On va appeler notre prophète Michel. Moi mon style je suis Michel. Gainaza Michel. Akuna mambu ya kusakasa kusagana na ngai. Kama unaibaka na kukangela yo. Si tu voles, je vais crier sur toi. Merci qui. Même il m'aura senti que Swahili de papa est collé. Même lui-même, le Swahili de papa. Quand Michel arrive, tant que Michel il dit ceci.
Je ne vois pas la victoire. Nazali comme on est longa té. Écoutez Akab. Yoka Akab. Il est toujours comme ça. Yazala Akab. Mais quand il se met en route pour partir à la guerre. Kasi nanzela pona okena bitumba. Akab va se déguiser. Akab ya komi bongolisa. Donc dans sa tête. Na kati na mutuna ye. Il s'était déguisé comme un vulgaire. Ya mi bongola kilo kwa moto apa. Pour qu'on puisse tourner Josaphat. Pwete babo ma Josaphat. Non Josaphat. Josaphat. Il est le roi de Juda. Yazali komo wa Juda. Il a été dit. Ye. Le sceptre ne quittera pas. Donc, quand il y a Dieu, même en plein champ de bataille, il y a des fusils, il y a des coups de feu, voudrais-je dire, qui vont te fuir. Lorsque quelque chose parle maintenant, c'est tout. Contre toi. Cette parole-là, c'est déjà accompli. Et même cherché parmi plusieurs. Lui, il était caché. Croyant qu'on n'allait pas le voir. Mais Josaphat, qui était un peigne royal, comme il dépendait de Dieu, on l'a vu. On l'a pas tué. Mais lui qui s'était déguisé, on l'a tué. Et ce jour-là, le chef. Bamboa. Les chers sont sans. Bango. Comme le prophète l'avait dit. Je voulais te dire. Tous ceux qui t'en veulent. Tous ceux qui t'en veulent. Tous ceux qui en veulent à ta famille. Tous ceux qui en veulent à ton église, à ton pasteur. Les chers. Les chers. Les seront les sangs. Bango va collier. Tel que je parle maintenant. J'engage Dieu dans ton combat. Nazali ko koti sanzambi na bitumba na yo. Amen. J'engage Dieu. Koti sinzambi. Dans ton combat. Na kati na bitumba na yo. Que tous ceux qui combattent. Ba nyonso yo. Rencontre Dieu. Nazali ko bundiso ba kuti. Et Akab. Na Akab. Et Jezabel. Na Jezabel. Mourir d'une mort cruelle. Bango ba kufa na yo ma bé. Laisse partir d'aujourd'hui. Tika ko bandalelo. Que tous tes ennemis. Banguna na nyonso. Reçoivent des sanctions cruelles de la part de l'Éternel. Bango ba zwa bitumba uti na nzambi. Je préfère m'arrêter là. Je voulais vous dire, c'est dans ta vie, n'a vie personne. Je sais que ton temps est en train d'arriver. Même si les hommes ne croient pas en toi, moi ton père, je crois en toi. Il sera béni plus que Salomon. Salomon, amen. Si quelqu'un ne répond pas bien, ce qui m'a Salomon n'avait jamais eu d'avion. Kumu Salomon. Mais vous et moi, vous et moi, nous aurons beaucoup d'avions. Nous aurons beaucoup de navires. Nous aurons beaucoup de locomotives. Les deux que je vous sais, il ne vit pas, on ne trouve pas. Dans l'eau, dans le cerveau, c'est Dieu là. Lorsqu'il créait le monde, il n'avait rien entre ses mains. Il n'avait que la parole. Et tout ce que sa parole disait, arrivait. Si la parole de Dieu habite en toi, cette parole-là connaîtra tes besoins. Amen. Vous ne comprenez pas. La terre n'avait jamais demandé la lumière à Dieu. Yango et Singapour pas dans Zambété. Amen. Amen. La terre n'avait jamais demandé la lumière à Dieu. Singapour et pas dans Zambété. La terre avait reçu la parole. Yango yambaka liloba. La parole elle-même avait découvert le besoin de la terre. C'est ainsi qu'elle va créer la lumière. Moi et toi, nous sommes aussi une portion de terre. Notre problème, c'est de recevoir la parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous portons donc ce trésor dans des vases de terre. Petit frère, tu es plus risqué Bill Clinton. Vous avez demandé pourquoi on a oublié ça. Tu es plus riche que Bill Clinton. L'apôtre Paul dit ceci. Nous portons donc ce trésor dans des vases de terre. C'est vase-là. C'est moi. C'est vous. Tel que vous marchez là, il y a un trésor en vous. Les gens commettent l'erreur de croire que du lithium
Il y a condimenté l'histoire. C'est seulement en Kivu. Et c'est le cas en Kivu. En toi. Na katina yo. En moi. Na katina ngai. Il y a du lithium. Lithium et sali. Il y a de l'uranium. Uranium et sali. Il y a du cobalt. Cobalt et sali. Il y a du cuivre. Cuivre et sali. Tel que nous nous promenons là. Tel que tu sali que tamba. Ah nous, il y a toute forme de trésor. Na katina biso. Quand il y aura des problèmes, tant que mitungi c'est cosa. Le trésor va réagir. Yangwe loko motu eko bima. Amen. Non, vous ne m'avez pas bien compris. Bosso singa malamute. Le jour où tu auras des problèmes, mokolo kozo mitungi. Le trésor va réagir. Yangwe motu ya eko sa. J'ai les gens qui travaillent au ministère des Finances et des Budgets. Ils connaissent le rôle du trésor public dans cette état. Bimo sala ya trésor public. Quand le trésor est rempli, tant que trésor est tombé, les fonctionnaires sont payés. Les fonctionnaires bako. Les affaires vont tourner. Mais sala eko tamba. Parce que le trésor est rempli. Le trésor est sali à côté. Je voulais dire à quelqu'un. Quelqu'un à partir de maintenant, tout va marcher dans ta vie. Parce que le trésor est rempli. Trésor est personne. Garde la parole. Ce que tu as fait pour les autres, il le sera également. Je sais que ton temps avait beaucoup traîné. Mais aujourd'hui, je demande au ciel de s'ouvrir. J'ai dit qu'aujourd'hui, je demande au ciel de s'ouvrir et de te donner tout ce dont tu as besoin. Nous avons un Dieu qui lui dit une seule chose. Il dit un seul mot. Beaucoup de choses arrivent inévitablement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, après cette prédication, est-ce que le mariage, l'opulence, le pouvoir, la grâce, l'élévation, savoir que beaucoup de choses puissent s'accomplir? Parce qu'une seule parole, après le ciel, à quel endroit il se trouve, parce que la parole que je viens de dire, elle est entrée en toi. Quand tu vas l'amener dans ta maison, qui n'existait pas dans ta maison, il y a quoi aujourd'hui? Quand tu vas amener la parole chez toi, les mariages seront créés. Les grands diplômes seront créés. Les grandes nominations seront créées. Les grands mariages. Les grandes bénédictions. Une seule parole. Mais tu fais plusieurs choses. C'est pourquoi dans le jardin, il y avait une seule source. Mais avant de sortir, quatre branches. Alléluia. Amen. Les quatre branches, c'est le point cardinal. Les chiffres quatre représentent le caractère universel de la chose. Ça voudrait tout simplement dire un seul Dieu, mais qui peut faire plusieurs choses. Amen. Non, vous ne m'avez pas bien compris. Un seul Dieu qui est capable de faire plusieurs choses. Donc la parole que je viens de vous créer, elle a guéri les malades, elle a enrichi les pauvres, elle a donné du travail au chômage, elle a fait les opprimés. Elle fait beaucoup de choses. Et je suis convaincu que je vais faire plusieurs choses. Je finis tout ce que j'étais venu dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse le papa. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, ses protocoles, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse les ennemis. Et que Dieu bénisse les enfants. Epaïnaïe, Okokota, Nakatia Lopango.